Après la disparition de Johnny Hallyday, mort à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer des poumons, la plupart des chaînes de télévision françaises ont bouleversé leur programme afin de rendre hommage au chanteur. Parmi elles, France 2 proposait mercredi soir une émission spéciale animée par Michel Drucker. Une tâche difficile pour le présentateur qui était un proche de Johnny. À la fin de l'émission, au moment de rendre l'antenne, Michel Drucker n'a pas pu retenir ses larmes. Vous savez, dans ma carrière, longue déjà, j'ai vu partir beaucoup de copains, a-t-il lancé, très ému. Mais lui c'était spécial. Tu aurais pu vivre encore un peu Johnny. Je sais que nous nous reverrons, un jour ou l'autre, salut mon pote, a conclu le présentateur avant de se retourner vers le portrait géant de Johnny Hallyday affiché sur les écrans derrière lui. Samedi, une cérémonie historique sera organisée à Paris pour rendre hommage à l'idole disparue des jeunes. Les proches de Johnny, sa famille ainsi que Brigitte et Emmanuel Macron y assisteront. Son cortège funéraire descendra les Champs-Élysées, puis passera place de la Concorde, avant qu'une célébration ne soit donnée en l'église de la Madeleine.